Bonjour. Bonjour. Cédric. Oui. Aujourd'hui, je te propose de m'accompagner. Ouais. On va faire des clubs sandwich. Une petite recette. Une rapide. Ouais, c'est donc pas une recette, c'est. Un petit club sandwich. Un petit club sandwich. Allez. Ok. Alors, moi, les clubs sandwich, c'est tout simple. Ouais. Je prends du pain de mie. Alors, je le prends sans croûte, je préfère. Ouais. Ok. Je le fais à 3 étages. D'accord. L'étage du milieu, je vais le faire griller. D'accord. Donc, je le passe au toaster. D'accord. Et donc cette tranche-là, il va falloir tout simplement, dans un premier temps, la beurrer. D'accord, je te prépare tes tranches. Allez, vas-y, on fait chacun notre club sandwich. Donc un peu de beurre. Un petit peu de beurre. Voilà. On beurre nos tartines, nos tranches de pain de mie. Voilà. Et après, un club sandwich, en fait, tu rajoutes un peu ce que tu veux. En l'occurrence, là, j'ai eu... On a un peu de tout, ouais. On a un peu de tout, voilà. Donc, tu as de la chiffonade, tu as de la laitue, on a une belle tomate, des cornichons, et du fromage. Et du fromage, de la mayo et de la moutarde. La mayo maison, hein. La mayo maison. La fameuse recette qu'on a déjà présentée. Toujours, Cédric, toujours de la mayo maison. Donc, tu commences comment? Je vais mettre un peu de salade. Et ben, c'est parfait, mets donc un peu de salade, Cédric. Je prends un petit peu si tu veux. Merci. Ben, c'est vraiment un petit peu. Voilà, impeccable. Ensuite, rondelle de tomate. Tu veux une rondelle de tomate? Pas de soucis, je vais te faire ça, c'est vrai, une petite rondelle de tomate. Alors celle-ci, ce sera pour moi. Et voilà, ça te va ça comme rondelle de tomate? Ça, magnifique. Qu'est-ce que tu veux d'autre, Cédric? Bah écoute, un petit peu de cornichon. Bah tiens, regarde, on en avait coupé en fine lamelle. En fine lamelle. Très bien ça. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu rajoutes de la viande ou du fromage? Non, un petit peu de fromage. Un petit peu de fromage. Alors comment tu présentes ton fromage? Bah écoute, moi du fromage, j'en ai deux. Ouais. J'ai de l'Edmental et j'ai du Comté. Qu'est-ce que tu veux? Du Comté, c'est pas mal. Toi, tu veux du Comté. Excellent choix, Cédric. J'aime bien. Moi, pour le club sandwich, ça sympa. Ouais, c'est sympa le club sandwich. Moi, ce que je fais, je fais des fines lamelles comme ça avec un économe. Ah ouais, c'est sympa comme présentation. Hop. D'accord. Et hop. Ok. Et ta deuxième tartine, donc, enfin ta tranche que tu as mis à griller. On va attendre qu'elle grille tranquillement. D'accord. Mais je pense que si tu rajoutes un petit peu de viande, ce serait pas mal aussi, non? D'accord. Alors, on se met un petit peu de chiffonnade de jambon. Un petit peu de chiffonnade de jambon. Toute simple, comme ça. Toute simple. On rajoute un petit peu, parce qu'on est quand même relativement gourmand. On aime bien ça. On aime ça, effectivement. Donc là, c'est très bien. Moi, je vais attaquer le mien. D'accord. J'ai pris, t'as vu, elle vient de sauter. Donc, ouais. petite tranche. Voilà. Moi, je me suis pris cette petite viande. D'accord. Et là, cette petite viande, alors ça, pour le caméraman, ça va être un peu dur, mais moi, je vais la griffer comme ça pour en extraire des petits morceaux. Et qu'est-ce que c'est, cette petite viande? Ah, ça, c'est... On trouve ça au rayon charcuterie. D'accord. D'accord. C'est du travers de porc qui est déjà cuit en fait. D'accord, ok. D'accord. Ça c'est... fait une petite, comment dire, une petite rillette de jambon, on va dire. Ah ouais, voilà, en gros, une petite rillette de jambon. D'accord. Tu vois, tu grattes ça avec une fourchette, ça te fait des miettes. C'est vraiment super. Bon, je vais en refaire un petit peu après. Et donc. Moi, sur ma base, je vais venir déposer ces petites miettes là, comme ça. T'as vu? D'accord. On en met, hein, parce que franchement, moi je suis très très gourmand, donc hop. Par-dessus, je vais rajouter quelques lamelles de cornichons. Comme ceci. Ok. Et puis, ben, mettre. Alors, j'hésite entre le comté et le gruyère. Allez, comme tu as fait comté, je vais mettre du gruyère. D'accord. Donc, toujours à l'économe, je me fais des petits copeaux. Copeaux, je vais venir les parsemer au-dessus. J'ai récupéré les petites tranches. Les petites tranches, ok. Ils ont bien grillé. Alors moi, la tranche intermédiaire, moi je vais y mettre de la moutarde. D'accord. D'accord. Ben moi je vais prendre de la mayo. Eh ben vas-y, fais-moi la mayo là. Moi je vais faire la mayo, maison. Alors moi, je tartine vraiment très légèrement, faut pas qu'il y ait trop de moutarde. Ouais. Toi, je pense qu'en mayo, tu peux quand même... Pas trop en mettre quand même.
Alors moi, pourquoi je fais griller la tartine, enfin la tranche du milieu, comme ça, ça donne un petit côté croustillant à cette recette. D'accord. Et je trouve ça plutôt bien. Enfin, moi, j'aime bien. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez le faire. Alors, il y en a qui font griller les trois tranches. C'est... Enfin... Il y en a qui font pas du tout griller les tranches. Après, c'est le club sandwich, c'est vraiment un peu c'est... suivant ses envies. Hein. D'accord. T'as besoin de quelque chose, Cédric? Non, c'est bon. Je pense qu'on va recommencer une, bah bon, un deuxième étage. Voilà, tout à fait. Donc, je me remets un petit peu de salade. Alors moi, mon petit travers de porc, je les miette. Voilà, comme ceci. Donc, je me suis préparé ma petite chiffonade, moi aussi. Tu me recoupes une petite tranche de tomate? Et c'est parti, Cédric. Une petite tranche de tomate. Et voilà. Merci. Tiens, je vais te laisser faire ton petit râpé, si ça te dérange pas. Oui. Je t'en prends la salade. Mais bien sûr. Moi, je vais me rajouter quelques feuilles de salade. Je vais rajouter mon râpé. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, Cédric? Bah, je vais finir par une petite tranche de pain, je suppose. D'accord. Tu la beurres pas, ta dernière tranche, toi, non? Allez, un petit peu de matière grasse. Ouais, un petit peu, ça fait toujours... Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Tu sais que moi, je suis pas très, très matière grasse. Hein. Ouais, un petit peu, quand même, Cédric. Ouais. Il en faut pour... Il en faut pour le goût. Tiens, je vais me rajouter de l'hématal. De l'hématal. Moi, je suis... Je suis tout dans le light, hein. Et voilà. Donc un petit peu d'emmental râpé. Je sais pas pour faire, mais j'ai l'impression que j'ai bossé vachement plus propre. Oui, non, bon, c'est possible. Bien. Allez, t'en mets de la matière. Je beurre ma dernière tranche. Et voilà. Deux super magnifiques club sandwich. Alors pour que ce soit un vrai club sandwich, Cédric, il y a une opération très délicate. Oui, c'est le découpage. C'est le découpage. Il faut forcément les découper en deux. Je te laisse faire. Ok. Voilà. Ah, très, très bien. Et bien, ça tient. Hop. Un petit pic. On va tout faire maintenir comme ceci. Voilà. Moi, je vais m'attaquer au découpage du mien. T'en es bien sorti, je crois. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est on va présenter ça proprement dans une assiette. Excellente idée, c'est dingue. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite pour la présentation. À tout de suite. À tout de suite. Cédric, qu'est-ce que t'en penses de cette réalisation? Ben, ils m'ont l'air appétissants, ces deux clubs sandwich. Je suis d'accord avec toi, Cédric. Donc, il ne nous reste plus qu'à les déguster, et puis on se retrouve pour une prochaine recette. Ça marche, Cédric, je suis d'accord. Merci. Allez, merci, à très bientôt.